Et yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur League of Legends avec le roux, parce que la série s'appelle comme ça maintenant. Ouais, c'est le roux. Le roux non, sur... on est avec JR, alias Shundream, dans le LOL game. Et du coup, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, faut savoir qu'on vous enregistre cette vidéo. On est mardi 12. Et la nouvelle. Akiba, le top. Et la nouvelle saison commence. Ouais, aide-moi. Garen. Garen ou Fiora. Ah, Fiora, la salope. La voilà. Salope, voilà. Et du coup, la nouvelle saison commence demain, les potes. Donc, on fait une petite game comme ça, vite fait. Vous l'aurez sûrement, évidemment, après le 13, après le début de la nouvelle saison. Mais à savoir que le prochain épisode, ça sera du classé. Du classé, ouais. On attaque mes matchs de classé, ça y est. Enfin, en gros, ça va être marrant. Alors, faut savoir qu'il va y avoir plusieurs. Va y avoir pas mal de séries sur LoL. Au final, cette saison. Renekton, qu'est-ce que je sors contre Renekton? Un Shogat? Un Shogat? Shogat top? Ah non, pas un Shogat top, faut échanger, allez. Qu'est-ce qu'on va sortir? Un Panthéon, est-ce qu'on tente le Panthéon? J'ai fait une bonne game la dernière fois avec Panthéon. Ouais. Allez, Panthéon top. C'est un privilège de mourir à mes pieds. C'est parti, avec TP verrouillé. Nice. Et du coup, il va y avoir pas mal de nouvelles séries, comme je le disais. Et moi, je me fixe un objectif pour cette saison, parce que oui, je me suis remis sur LoL. Je tryhard dans le silence et dans l'ombre. Je ne fais pas que des arames. Et du coup, je me mets sérieusement à faire des gros progrès quand même, parce que je prends la peine de me concentrer et je prends la peine de m'appliquer en fait. Et du coup, je me fixe comme objectif Gold 5 en saison 6. Et je suis sérieux, hein. Attention, Gold 5. Ça ne rigole plus. Bon, après, c'est pas ouf, hein, Gold 5, c'est loin d'être. Oh, Shogat! Putain. Si tu l'avais sorti, tu l'aurais mis trop dans la merde. Il aurait été déçu, je sais pas si il l'aurait sorti. Mais moi, ça me fait chier parce que je sais qu'un Shogat. Moi je trouve qu'un Shogat ça fait mal donc. J'ai rien avec ton Panthéon. Oh putain Draven, oh putain. Oh Draven mon gars, avec des petits ultis de pute comme des. Wouah là, je te traverse là. Ce qui est cool c'est qu'on a pas beaucoup de temps pour enregistrer parce qu'il faut savoir qu'il y a des travaux juste devant chez moi en fait. Sur le balcon là derrière. Je sais pas si ça se voit, bah d'ailleurs, attends, regarde vite fait à la cam si ça se voit. Je sais pas, attends, voilà. Non, je pense que c'est trop blanc. Non, ça se voit pas. Mais en fait, juste derrière, là, il y a un putain d'échafaudage et tout, et les mecs percent, etc. Et du coup, ils partent vers 16h30, ils arrêtent de percer à peu près. Donc du coup, on n'a pas pu enregistrer avant. Donc faut que cette game ne dure pas longtemps, parce que JR doit partir après. Et j'en bus à 18h30. Oh, ça va le faire. Si non, ça va le faire, franchement. Peut-être que ce ne sera... Enfin... Même une game d'une heure, à la limite, voilà, ça le fait. C'est ce que j'allais dire. Normalement, sachant que d'habitude, on fait des vidéos de 50 minutes, de toute façon. Ouais. Normalement, on devrait avoir même être large si on s'est bien démerdé. Mais bon, nous connaissant, c'est possible que je vais prendre mon bus à l'arrache. Ce sera pas la première fois. Mais putain, Léona. Et ouais, en face, ça sort du. Ouais, pourquoi Brome, j'aime bien aussi. Hein. Ah, Brome, c'est un bon sujet. Bane Brome. Les deux, c'est des bons supports. Moi, après, je vois, c'est de toute façon, moi, après, je suis plus Léona. Mais en face, il y a du bon pic. Hein. Renek, Shogat, Léona. Ah! Ah, Vladimir, ah moi j'aime bien les Vladimir aujourd'hui. Depuis la game d'avant, il a fait une game avant non record. La petite game de chauffe. Et franchement il y avait un Vlad. Bon, tu l'as mis bien en jungle après. JR était jungler, il l'a mis vraiment bien dans la game. Mais le Vlad nous a mis. Bah Vlad a fini. Enfin c'est Vlad qui a fait la game. Ouais c'est Vlad qui a fait la game honnêtement. De toute façon c'est Vlad qui a fait la game. Niveau kill et dégâts dans les teamfights, dans le teamfight il était là quoi. Ah bah il y avait que lui d'ailleurs qui faisait des dégâts. Parce que la veine moi, faisait. Moi j'étais là pour le tanking mais bah voilà, normal le boulot. Mais les dégâts étaient faits par le mid laner. Il jouait Volibear jungle. D'ailleurs on l'a jamais proposé du coup Volibear. Mais non bah ouais mais je sais pas. J'ai eu envie de repartir top au final, je sais pas. Après, je sais pas si j'ai fait un bon choix quand même, Panthéon contre Renek. Mais l'autre soir, t'avais pas Panthéon contre Renekton quand on a joué ensemble? Non, j'étais contre... Non, j'étais contre Irelia. Ah oui. La Irelia qui du coup s'est fait camp par son jungler. Ouais. Qui s'est fait camp par son jungler, puis qui après s'est fait camp par son ADC, la hache qui se pointait. Ouais. Qui venait chez moi parce que bah, du coup la Irelia s'en sortait. Bah à la fin on pingait même plus les SS parce qu'en fait ils étaient trois à la bot lane, voilà. À la top lane sans arrêt. C'est ça, exactement. Donc il n'y avait plus besoin de pinguer. De toute façon, s'il manquait quelqu'un, il était à la top lane. Ce soir-là, j'étais content de jouer Panthéon, ça faisait longtemps, et puis du coup, bah voilà. Hein, il y a eu de la charme. Par contre, il va peut-être falloir que tu baisses un peu la musique dans le jeu, je suis en train de penser. Ah ouais, j'ai remonté le son. Parce qu'on a remonté le son tout à l'heure. Ouais, et... on va faire ça. D'ailleurs, si tu veux mettre un écouteur, tu peux. Hein. Oh putain, projet Léona, le skin que je veux. Les gars, si vous voulez faire un beau cadeau de Noël, en retard un petit peu, mais c'est pas grave, à Shundream, putain, si vous l'ajoutez en ami et vous lui offrez projet Léona. Et là, je pense qu'il peut vous faire l'amour.
Ah là c'est bon, là je vais partout où il faut, mais je fais l'amour, moi je fais tout hein, pour Projet Léona, il n'y a pas de souci. Hein. La totale, ou la vaisselle. Le minage, la vaisselle, tout. Ça c'était une blague aussi. Il fait tout dans la maison. Humour noir, secondaire. Non, mais Projet Léona, gros, il est, c'est une tuerie quoi. De toute façon, les skins Projet, ils sont. Ouais, franchement, les skins Projet sont vachement classe. La Fiora, la dernière fois contre laquelle je suis tombé, qui avait skin Projet là. C'était quoi? C'était, tu sais, le coup où on est tombé contre une platine, une connerie comme ça. Ouais. Ou diamant, je sais ouais, parce qu'en fait, on jouait avec Alex. On a fait des games avec pas mal de gens. Là, je groupe pas mal à 5 le soir et tout. Et le problème, c'est que mes viewers, abonnés ou potes, tout simplement, ont un meilleur, bien meilleur niveau que moi. Donc, je me fais rouler dessus. Mais j'ai remarqué que, tu vois. Ah, mais c'est vrai qu'on. J'ai fait 3-4 parties où je me suis fait rouler dessus. Par contre, quand je retourne avec des mecs de mon niveau. Bah tu vois la différence, oui. C'est... Bah tu vois, c'est tu t'ennuies, quoi. Il y a des games où, oui, voilà. Tu sors du 9-1 avec Tristana en 20 minutes, quoi. Ah, mais Tristana, c'est sympa. Ah, moi, je peux pas ADC. Si, moi, je te sub quand tu veux, mais ADC, alors là, on ne verra jamais jouer ADC. Bah Lulu, top. Last hit, en une demi-heure, 150. Ah. J'ai fait un gros progrès sur les last hit, mais ça c'est bot game, et puis tu last hit, oh bah bon, avec tous ça. Les persos, et c'est vachement chiant, mais tu ça paye. Tu fais ça comme un con, ouais. Ça paye. Ils sont longs les chargements, dis donc. Ça... À savoir aussi, enfin je sais pas pour JR, mais moi je vais suivre les LCS, ouais. Donc je vous proposerai peut-être des petites vidéos. Alors je sais pas s'il y aura un gameplay de LoL derrière ou pas, parce que ça sera vraiment pour parler LCS. J'aimerais bien en fait que sur la chaîne on arrive à... Alors le problème c'est qu'il faudrait que je l'ai... Ces vidéos là ça va être un plus, et en fait il faudrait que le soir des days, tu sais par exemple le D1, ouais. La LCS-EU qui a lieu demain soir, ouais, demain soir. Faudrait qu'après, un débrief. Dans la nuit, j'enregistre la vidéo, que je l'upload et que je la sorte le lendemain. Parce que sinon ça sert plus à rien de parler ouais, du D1 faire... quand tu auras le day aussi. Ouais, enfin, faut... Non mais ouais, faire un débrief quoi. Ouais, il va falloir que... Enchaîner, quoi. Un vrai petit travail de chinois, c'est dit donc. Mais malheureusement, je pense que je le ferai tout seul, parce que tu seras pas dit... Bah non, moi, du coup, non, cette semaine, c'est con. Bah après, à part si ça va mieux demain pour ma mère, vu qu'il faut que je redescende chez moi, quoi, mais... Mais dites-moi si ça vous intéresse, hein. Dites-moi si ça vous intéresse, les petits... Moi, je vais m'intéresser beaucoup à la scène pro cette année. Pro EU, de préférence. À la limite, NA, parce que j'aime bien ces trolls de merde. Mais les Coréens, je suis pas sûr, même s'il y a un gros niveau. Oh, les Coréens, on sait toujours ce que ça donne, quoi. On verra, on fera des débriefs aux Worlds pour dire, bon, bah, cette année, c'est une équipe coréenne qui va gagner. Voilà, bisous, c'est ça. Quoi. Alors, la finale, ah bah, Corée contre Corée, dis donc, c'est surprenant, les gars. Par contre, en EU, cette année, moi, je vais supporter pas mal d'équipes. Ah, encore une Vayne qui veut pas push, gros. Qui veut pas aider le jungle. Qui veut pas pull, ouais. Comme tout à l'heure. En mode obligé de balancer quand même le... Bon bah, no help, no gank, et là la Vayne qui revient, son support qui vient comme un con aussi. Non mais là apparemment l'autre il s'est excité pour rien, ouais, parce qu'elle est là la Vayne, hein. Elle lui a dit Ouais après il y en a un. Ah donc un Shogat mid, hein. De toute façon oui ça m'aurait étonné que ce soit... Alors moi tu vois Shogat, déjà son Shogat il le commence avec le bump, moi je le commence avec le E, je trouve que c'est bien mieux pour farm. On est là pour parler de Panthéon. Ouais, bah Panthéon, tiens, regarde, tu vois, Panthéon, bah les Spires. Tu commences avec le Spire. Le mec, dès qu'il veut venir farmer, tu fais tiens, cadeau, hop là, et là il va faire ça pique quand même. Et voilà, bon, j'ai pas pris mon farm par contre. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, par contre, toi t'es lastite. Voilà, j'ai voulu faire le beau sur les Spires, par contre, ça faut se méfier, ça bouffe du mana, quoi, c'est ça qui est chiant. Hop là, va-t'en, j'ai dit va-t'en. Faut que tu t'en ailles, voilà. Par contre, c'est son Z à Renek qui est super chiant avec le stun. Ah ouais, mais moi aussi j'ai un stun, donc après c'est celui qui pose. Stun contre stun. Regarde, comme ça, tu vois. Fais ça. Là, tu vois, il prend pas d'XP, du coup, il est emmerdé. Il se dit, ah bah merde. Et hop, tu lui remets une, tu fais, ah non, mais gros, oh. D'XP, hop. Moi, je prends mon XP, je prends mes PO. Et lui, il prend rien. Bah, il tu prends emmerdé. Surtout le niveau. Parce qu'à partir du niveau 3... Renekton un combo assez chiant d'ailleurs. Ouais bah après Si c'est bien joué. Hop tu vois là, tac. Mais il l'a pas posé à son combo, tu vois, il aurait pu pourtant. Ouais et t'étais mort. Ouais il aurait presque pu m'avoir. Ouais, mais pour l'instant tu vois c'est temps, il faut que je me méfie, tu vois, j'ai wardé parce que bon, c'est vrai qu'une visite du jungler ça arrive vite quoi. C'est qui est dans le jungle, j'ai pas regardé. Je sais plus non plus, j'ai un trou là. J'ai moins la mémoire de toute façon. Ah bon, les astites ça ira mieux après. Bah tu vas le voir bientôt, le jungler. Je pense que ouais. Par contre il a pas une très bonne régène de vie, on va lui faire peur un peu.
Oh, le Vlad. Le Vlad, tu vois, je les aime, les Vlad, aujourd'hui. C'est la journée de Vlad, aujourd'hui. Et là, tu vois, Renek, déjà, il a peur. Il n'ose pas approcher, prendre son farm, quoi. Bah, il est pas bien, hein. Il attend, hein. Tu veux qu'il fasse quoi? Mais fais attention qu'il n'y ait pas un... Ouais, mais j'aime avoir pour l'instant. Ah, t'as ta ward, donc c'est bon. Limite, il vient d'être, de se faire tuer, donc... Ouais, mais faut pas trop, je pense... Faut pas trop que t'agresses. Ah non, non, de toute façon, faut pas. Après, justement, souvent, je prends un peu trop. J'ai tendance aussi à prendre un peu trop à confiance avec Panthéon. Ouais, parce que là, tu vois, t'es vachement loin quand même. J'aurais peut-être le dive, mais non, même pas. Non, non. Bon, après, je peux me permettre, tu vois, de prendre un coup de tour ou deux. C'est, ça reste gentil, je garde l'avantage. Tant que je peux me replier pour. S'il y a le jungler, là, tu vois, j'ai plus de ward. Je vais aller reposer. Tout de suite, parce que. C'est ça, Panthéon, c'est un très bon top laner. Après. Quand tu peux faire des très très bons décals, faire beaucoup de dégâts sur le late game. Mais par contre, c'est un top laner fragile, t'es pas tank du tout quoi. Ah ouais, non, mais par contre, les spears, oui, voilà. Par contre, les spears, ouais, elles font le. Ah, les spears font le taf quoi, tu vois. Il là, va finir là, par y passer ce là, coup, il sait que s'il approche. Dommage. J'ai été. Je vais le laisser back. A mon avis, c'est du bait hein. Non, oh, ouais, mais au moins, tu vois. Je prends mon farm, je vais partir avec ma ligne de farm encore à l'avantage. Il ose pas back, tu vois, il est quand même dans la merde. Il sait que s'il part, je vais prendre l'avantage et... Ah, mais là, tu le prends quand même, l'avantage. Dans tous les cas, il peut rien faire, le mec est bloqué. Moi, je serais lui, j'aurais back et TP, déjà. Ouais. Parce que franchement, là, il a perdu un temps à se demander, est-ce que je back, est-ce que je back pas, ça sert à rien, mec, t'es au fond. De toute façon, moi, je vais le faire, parce que j'ai l'avantage. Tu vois? Ah, et puis il y a Nocturne. Ah, il a mis du temps à arriver. Je Nocturne, comprends pas pourquoi Nocturne vient dans une situation là, comme bah. Puis il est passé par là aussi. De cette manière et sur une situation comme celle-là, au final, c'est pas hyper utile, c'est pas hyper intelligent. C'est après voilà. Quoi. Bon, alors. Hop. Après sur les stratégies de jeu, tu te rends compte qu'en silver, enfin bronze, haut bronze, bas silver, même mid silver, ils sont pas ouf. Hein. Oh non. Les mecs sont pas ouf sur les ganks et tout. Non, non, tu me dis beaucoup qu'on pas. Oui, voilà, des bons réflexes quoi. Parce que autant moi je suis nul en jeu, autant la stratégie de jeu, quand faire les trucs et tout, à la limite ça va. Ouais, c'est après, l'inverse de sur Zero Dawn. Normalement, tu prends à peu près vite le truc quoi. Ça, ouais, parce que moi je regarde beaucoup de streams. Voilà, après c'est ça, level, faut s'intéresser aussi quoi. Pour oui, pour un minimum la strat, les timers. C'est important, c'est vrai que c'est important quand même quand tu. Tu te rends compte que ça facilite le jeu aussi, quoi, tout bêtement. Bon, allez, faut se concentrer sur le farm, là. Par contre, le Vlad va encore être mis vraiment bien. Ouais, je pense qu'on a un Vlad qui va se mettre bien, encore. Il est vachement agressif, et là, il y a Ekarim qui attend pour un petit gang, je pense. Je sais pas, le Shogat... Je sais pas où est la leur jungle. Un Shogat, de toute façon, il y a Nocturne. Ouais, donc là, par contre... Nocturne était au... Oula, il pique un peu, dis donc. Bah ouais, ça y est, hein, il a son niveau 5. Ouais, et puis il a une bonne régène à ma différence. Donc c'est pour ça qu'en fait, Panthéon, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu prends le gars à l'usure avec tes spires au début. Donc faut pas que t'ailles forcément chercher le kill direct, tu vois, mais... Là, tu vois, déjà, il est vite fait mid-life, quoi. Et il sait que s'il approche, bah... Il va prendre cher. Et puis ta spire, tu as quand même une bonne partie. Il a beau s'écarter, une fois que tu l'as ciblé, il est ciblé quoi, elle est partie. Mais d'ailleurs, ça traverse les sbires. Ouais, ouais. Ah bah oui. Contrairement c'est... à Nida. Ah bah oui, non mais c'est pas du tout comme Nida. C'est pas un ciblé, Nida. Oui, oui, non mais oui. Là, moi, c'est ciblé. Non mais quoi. Ciblé, ouais. Du coup, c'est plus facile ciblé. Ah bah oui, mais c'est ça qui est. C'est que tes spires, t'es sûr qu'elle touche pas. Ça va. J'ai pris le coup de toile. Ouais, oh. j'avais. Bah j'ai mon passif qui bloque. Par contre, là, il est bolzy encore. Oh les dégâts, bien joué, mais il a quand même mis de beaux dégâts, Mais il a son ulti, mais ouais, mais Renek, de toute façon, c'est pour ça que je pensais que je me suis dit que je risquais d'avoir un peu de mal, c'est parce que Renek a quand même une bonne régène de vie, mais pourquoi tu viens? Par contre, ouais, Nocturne, après, c'est OP, mais... C'est, non, ouais, mais là, même s'il a son ulti, quoi, c'est dangereux pour lui, si je le stun avant qu'il ait pu claquer son ulti, en soi, il est mort, quoi, j'ai plus de ward, donc j'ai reculé, par contre... Je joue. Je prends pas de risque, hein, t'as vu? Propre. Ouais. C'est bien. Tu... Parce que des fois, quand on essaye de vous enregistrer des vidéos, ou même dans les vidéos, ça a déjà dû arriver de dire bah, oui. Mais pourquoi t'y vas, mec? Bah, à chaque fois, ça arrive à chaque vidéo. Il y a un moment où je m'emporte. Quoi. Mais tu sais que c'est le grid, ça peut te faire être bronze 4. Moi, j'ai connu un mec qui gridait, il s'appelait GR, il était bloqué en bronze 5. Il est monté bronze 4 en fin de saison, on sait pas trop comment. Ouais, putain, ouais, c'est vrai que j'ai réussi à remonter bronze 4. Quoi.
pour l'honneur, pour sauver un peu un minimum l'honneur, pour pas dire. Non, il y a pas d'honneur en Bronze 4. Ouais, ami, plus que. Hein. Moi, j'ai vraiment peur début de saison de tomber bronze parce que j'ai encore pas. Je progresse, mais j'ai encore pas un niveau ouf. Bon, c'est cool. Et pour l'instant, il part pas trop sur la... League of Legends, j'ai fait 200 et quelques parties, 300 parties quoi. Je suis pas non plus un joueur, j'ai pas 3000 games quoi. Et ce qui est cool, c'est que t'arrives à gérer le farm. Ouais. Par contre, j'ai pas un SS. Ah! Ça donne quoi? Au bot, ils ont l'air d'avoir plus de mal. Au vu de la map. Enfin, ils se. Ouais, non, ça va, ça va. J'ai cru qu'ils se prenaient plus de pression que ça. Bon, en tout cas, par contre, sa game, elle est faite. Et puis Shogat, de toute façon, s'il peut pas stack son passif et stack ses objets au niveau comme le séculaire, ce genre de choses, ou même s'il est parti sur un Medjay, je sais pas du tout, j'ai pas regardé son staff. Il est reparti vraiment quand même sur plus optimisé tanking. Donc, alors que à mon avis, il devrait. Moi, je pars plus sur un séculaire, tu vois, tu commences comme ça, t'as un peu de dégâts, un peu de vie. Ce qui est pas mal, surtout comme il te faut que t'es quand même le mid laner, quoi, donc il te faut un peu de dégâts. Donc après. Ah merde, mon Renek, il est au bot. Il est au mid, je veux dire. Il est au mid, ouais, mais t'as signalé le SS après. Hein. Bon, bah, les câbles. Par contre, fais gaffe. Pourquoi tu vas te prendre un kill, mec, enfin... T'inquiète, j'arrive. Ouais, mais il va quand même. Non, il est pas mort. GG, la décale. Et voilà, Panthéon. Beau bait du Vlad, hein. je pense que c'est pour ça. Mais moi, c'est pour ça que j'adore Panthéon, honnêtement. Attention par contre, là il commence à y avoir du monde quand même. Ouais. Le Vlad il est. Vlad il est, tu vois, il est greedy hein. Hop là. Par contre toi tu te mets vraiment bien hein. Ouais, par contre le Shogun je vais. On va tester, on va essayer de le prendre. Après je connais ses spells quoi. Donc Ah y'a Icarim en plus. Oh putain je me suis fait même comme un connard. Oh là là, GG. C'est beau, je suis content, c'est bien. C'est bon là, ta game elle est faite aussi. Ils ne vont pas aimer ça. Allez. Quand tu commences une game en 3-0 en général. On va aller faire un Drake. Pas mal. On va avoir le Drake, nickel. Ouais. Franchement, si on a le Drake. C'est une game qui va aller toute seule. Vous tombez sur le bot. Là, je pense que c'est ce qu'on va faire, ouais. Honnêtement, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Une petite retombée sur le bot. Tu prends un kill, une assist, pas de jaloux. Hop, on décale. Bah, Icarim va pas pouvoir décaler, il a pas assez de. Bon, les gars, faut y aller par contre si je décale. Ouais, mais est-ce que c'est pas wardé? Ouais, ça doit être wardé. Non, non. Ouais, ça doit être wardé, ils viennent pas. Tiens, ouais, ouais, il attend. Je sais pas si c'est wardé. Il se demande à mon avis. Il surveille, ouais, je pense. Bon, ma tourelle, c'est bon, je vais backer moi tranquillement. Petit back à 1700, c'est cool. C'est cool. Ça met bien tout ça. Ah, on a un gank de. Ah putain! Partir sur un Tiamat pour faire un peu plus farmer plus rapidement déjà tout simplement. Et puis putain par contre j'ai mon Renekton qui est toujours pas là. Je crois qu'il est au bot. Ouais il est au bot. Est-ce que je décalerais pas. C'est parti. Il était tout seul mec hein. Ouais, c'était. Ah là là, attends, j'ai. Oh, joli! Dommage. Putain! Dommage, tu prendras. Je pensais pas qu'ils allaient autant y aller soit ouais. Tourelle, quoi. Sorry, my bad. Oh, attendez, peut-être une belle action de Vayne par contre. Oh, mais... oh le flash out. Non mais je suis déçu quoi. Oh là là là, oh là, elle là, a tout là. Franchement c'est putain. Allez. Ils ont fait chier quoi qu'ils repartent comme ça à chaque fois les deux coups quoi. Ça me fait chier. Je suis déçu. Ah je suis vexé là. Ah je suis chiffonné. Oula. Vlad attention quoi.
Ah, mais Nocturne, je sais pas, Nocturne, il gank pas, il campe les lanes. Il vient sur la lane, il prend du farm, il fout du dégât, et puis... mais il gank pas vraiment, je trouve. Alors qu'Ikarim... Oh, Ikarim qui a fait un joli gank, là. Un joli move, dommage que Vlad était pas plus en avant que ça. Ah, pour il revient, voilà, bien, joli. Oh là là. Parfait, un flash en moins, c'est nickel. Un joli move. Ils ont bien joué leur coup. Par contre, moi j'ai un... merde, j'ai un Renek qui est toujours pas là. Ouais. Tant mieux, hein. Bah tu vas prendre la tour là-dessus, hein. Oh bah, il y a des chances, oui, s'il revient pas, oui. Puis là, c'est bon, ça va aller tout seul pour farm. Ah, il est là. Ah ouais, mais attends. Parce que là... Salut mes branches. Alors, ça va gros? Viens le petit sac à main. Viens, je vais me faire des belles bottes pour mon Panthéon. T'inquiète pas, des belles bottes en croco. Allez. C'est pas un alligator plutôt? Je sais pas, croco, alligator, c'est la même. Ça a des écailles, ça nage. Et je vais m'en faire un sac à main et des bottes. Tiens, la Léona qui prend le kill quoi. Sans respect là-bas. Bon, Renekton, tu veux pas XP un peu sinon? Ça te dirait pas gros, fais un effort. Putain, tu dois le mettre tellement mal en farm par contre. Et pourtant t'es pas ouf en farm là. Sur celle-là, non, t'as beaucoup d'écale. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai quand même pas mal d'écale. Ah bah oui, oui. Bon, normal. Par contre, tu vois, je lui mets deux niveaux quoi du coup. Ouais. Et puis quand il prend les spires, bah... Oh, celle-là encore c'était pas ouf, mais... par contre, fais pas le malin. Ah. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il a dash dans le vide comme ça, bah il part dash. Parce que quand tu dash et que t'as. Je crois que. Il est tellement bloqué sous tour. Bah oui, là, regarde, il prend pas le phare, il peut rien faire. Ah. Elastite, hein. Ah. Écoute-toi, je l'ai pris. Coucou. Bonjour. C'est horrible. Pour lui, la game, ah, elle est juste mais horrible. Gros, non, mais ouais, mais pourquoi tu crois. J'ai joué contre des Panthéons qui me faisaient la même, hein. C'est pour ça que je me suis mis à jouer à Panthéon. Parce que Panthéon, en top laner, c'est. Voilà, quoi, ça fait le taf. Toi, j'ai même évité le coup de tourelle. Là, par tu contre, sais pas pourquoi. Par contre, pourquoi il est venu là? Il sert de son outil pour fuir le type. Hein. Ouais, bah oui, mais. Ça, c'est vraiment quand t'es mal. Hein. Ouais, voilà, ça prouve que c'est un Renekton qui est pas bien quoi. Tu vois, j'ai mon passif. Ah. Sur moi? Non, je me disais aussi, ça m'aurait surpris. J'allais dire, c'est. Du multi. Oula, il y a du rond demi. Ça donne quoi, mais tu peux décaler? Non, c'est pas intéressant de décaler. Allez. Bon, il va être obligé de lâcher sa T. Sa T. Ah, j'ai gardé l'aggro. Sa T1 là-dessus. T2. Bon, peut-être pas, vu que j'ai fait. Ah bah non, il est. C'est Nocturne, j'ai rien dit. Merde, j'ai raté ma spire, je suis déçu. Il est niveau 8 là, Nocturne. Ouais, mais bon, je lui mets deux niveaux. Pourquoi il a claqué l'ulti? L'autre il arrive avec l'ulti déclenché alors qu'il est full life. D'accord. Attends, je vais aller aider Karim. Reviens Karim, j'arrive. Il va les faire tourner, voilà. Je suis là gros, vas-y, ramène le Nocturne. Non, ils sont barrés. Bande de pédales. C'était Ward, je pense. Bande de pédales. Ne me provoquez pas. Mais viens m'aider, connard. Non, il veut pas du héros, lui, s'en bat les couilles. Putain, mais c'est important le héros de la faille quand même. Je trouve que ouais, ça c'est un truc qui est pas encore assez pris. J'ai pas encore compris tous les actifs. Hop là, merci. Aïe. Mais il voulait te le laisser, je crois pas. Hein. Je sais pas. Je pense pas qu'il avait prévu de te le laisser le bad. viens, Renek. Viens voir tonton Panthéon. Oui, je suis là, viens. Viens dans le bush. Mais viens, on est bien, regarde. T'as vu, on est bien. T'avais dit on était bien là, hein, on est bien tous les deux. Bah ouais, on est bien tous les deux. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? T'es pas bien là? T'es pas bien avec moi? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi t'as voulu t'en aller, hein? Mais c'est... Faut pas vouloir t'en aller. Nocturne! Nocturne, viens voir. C'est tellement Nocturne, fini là. Coucou! Ils sont tellement au fond là, le jungler. Coucou, c'est moi! C'est moi, Nocturne! Oh là 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 là. Voilà, voilà! Insane. Allez. Voilà pourquoi j'aime jouer Panthéon. Parce que quand je suis avant que ce soit du gros teamfight, je me fais pas défoncer parce qu'ils ont pas, peuvent pas me mettre assez rapidement du dégât, que ce soit jungler ou top laner souvent. Donc tu t'amuses bien quoi.
Et là, je vais pouvoir me faire un bac à 2000 PO. Je prends la bague pour que mes clips aient des avantages. Ils ne vont pas aimer ça. Voilà, voilà. Bah, c'est une bonne game, je suis content. Ouais, vraiment bonne, ouais. Faut pas qu'elle dure trop longtemps. Non, faut pas... non, non, franchement, si elle dure trop longtemps alors que je suis en train de... tout carry comme ça. Surtout que je peux pas, surtout que je peux pas prendre la suite sur Panthéon. Ah bah Panthéon. Bon, après Panthéon c'est pas si dur que ça quoi. Parce que, honnêtement le combo c'est voilà, tu prends à l'usure avec les spires, puis une fois que t'as gros, bah tu fais un stun, tu replaces une spire si t'en as une, et puis tu peux poser ton crève-cœur qui met beaucoup beaucoup de dégâts et beaucoup de critiques en fait. Et le crève-cœur tape dans un cône, donc le mec voilà, et puis automatiquement bah après le crève-cœur il lui reste pas grand chose souvent. Donc du coup tu le rattrapes et tu lui mets une spire. Flash spire s'il faut quoi. Au pire. Si t'es sans respect, bah tu lui mets la petite spire sous la tour, quoi, et là il fait bon. Allez hop, ça commence. Ah, ils ont le Drake. Tant mieux, ça veut dire que Nocturne n'est pas par ici. Bon, là je peux me permettre de back, de toute façon. J'ai mon TP, j'ai mon ulti. Comme ça, ok, please regroupe. Bah attendez, les gars, je prends ma tourelle quand même. S'il vous plaît. Ouais, mais il regroupe en face. Voilà, bon back, bon bail. Vas-y, vas-y, va mid. J'ai pas pu, merde, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû utiliser mon ulti, je suis con. Je suis Panthéon, quoi. Panthéon, son ulti, c'est un espèce de TP aussi? Ouais, ouais, en fait, tu débarques sur une zone et tous les mecs qui se trouvent au centre, ils sont stun. Ah bah oui, là, t'es con, là. Regarde, 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 regarde. Il arrive. Bah, il est où? Non, il est reparti. Renek! Mais je t'avais vu. Oh bah voilà, mais non, mais René, pourquoi tu passes pas vers moi aussi? Shogat? Draven! Oh les dégâts. Oh putain, oh, merde. Je me suis loupé sur mon crève-cœur, je suis déçu. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, je suis fier. La spire! Oh, bah, oh le KS! Bah oui, bah oui, bah gros, c'est le principe de la spire. Je suis désolé, une spire, c'est fait pour ça. C'est fait pour le KS? Voilà, tu vois le Draven là, tu le vois, à un moment il va s'approcher, ça va faire spire! Spire! Hop là, raté quoi. Hop, par contre, t'es mort! Ah bah non. Hop là! Oula, le flash out. Ouh, j'ai... Ouais, par contre, là, vous êtes mal là. Ouais, gros, c'était le flash out pour être en dehors de multi de Léona quoi. Donc il fallait le flash out. Sinon, j'étais mort. Vu les dégâts que je prends, j'ai pas de. À côté de ça, tu vois, je peux pas encaisser de dégâts quoi. Merde! Oh là là, mais merde! Pourquoi je me suis retourné? Pourquoi tu. Ouais. Je sais pas, j'ai fait. Petite erreur d'inattention. 6-2-1, voilà, c'était erreur d'inattention. Ah, c'est pour le ratio. Pour la peine, je mangeais un granola. C'est pour pas être trop. Voilà. C'est pour pas être trop. Après, on remet pas tant de kills d'écart que ça. Non. Je sais pas qui c'est qui feed. Tu vois ? Deux fois. Ah, ouais, mais d'accord. 0-1-0-3 la botlane. Ok. D'accord. C'est peut-être ça qui vous met un peu mal, hein. Oh là là, mais Léona. Non, c'est Vlad, là. Oh non, si c'est Vlad, ça me dit. Dommage. Non, t'entends, le Panthéon arrive. Pantalon arrive. Après, Karim, c'est un peu cher, hein. Donc là, il est top, il est bien, lui, hein. Bâtard. Stun! Ult! Bon. Ult au milieu là! Non mais oh, Shogat il est parti vite faire. C'est dit bon! Ouais ouais non! Ça pique quand même les spires hein! Par contre faut qu'il fasse attention le. Je disais du croco mais bon, ah, et Karim ouais! Alors avec Karim, il y a peut-être le décal qui. Et Karim, j'arrive mon copain! J'arrive mon copain, je suis là! T'inquiète, vas-y! On se fait le crapaud là! Jean-Michel. Ah, Jean-Michel, faut qu'on le cause. D'avoir. Par contre, la suite, peut-être, non. Non, que dalle. Mais t'es vraiment une salope, toi. Je prends même Jean-Michel, moi, je prends tout le monde. J'encule tout le monde. Mais pourquoi tu fais ça, mec? Sans respect. Mais pourquoi? Mais t'es une pute, en fait. Ouais. Non, mais sérieux. Gros, c'est bon, c'est Jean-Michel, c'est pas le bleu ou le rouge, quoi. Ah ouais, mais j'ai déjà pris le gold, celle-là. Ouais. Salut, Nocturne. Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Merde. Mais t'as trop fait le malin là. Mais bon en fait j'ai voilà, fait le vieux misclic, je suis retourné vers là-bas. J'ai vu que je pouvais pas poser ma spire et je voulais repartir. Mais j'ai fait un vieux misclic de merde comme d'hab quoi.
Je fais toujours des biscuits de merde. C'est ce qui me coûte ma vie à chaque fois. Là, tu vas te faire, là, tu te fais trash dans le chat, là, ça y est. Voilà, Panthéon, je vais me taire. C'est tout. Mais t'as qu'à dire misclic. Non. Il y a eu des dégâts magiques en face. Ouais, Shogat. La bonne blague. Ah, putain. Shogat, non mais. Shogat, il fait pas de dégâts AP, quoi. Mec, pourquoi tu joues Shogat alors qu'il fait pas de dégâts AP? J'ai sauvé des culs. Je sauve des culs et j'en casse. Merde, j'ai arrêté mon truc. Salut gros, j'ai sauvé des culs et j'en ai cassé. Ouais. Je l'avais annoncé, je l'ai fait. Bah t'en as cassé un, t'en as sauvé quelques-uns. Voilà. Mon silence est pardonné. Par contre les gars, ça commence à me pêcher sur mon top, j'aime pas ça, moi je veux pas voir ma tourette tomber. Ouais mais go T2000 là. Shogat. Tiens. Shogat. T'as peur? Bah, ouais, il a pas vraiment peur, il a pas vraiment peur. Mais gros, il m'a claqué une embrase là sur le dessus. Pourquoi? Pourquoi il m'a claqué l'embrase quoi? Tiens, non mais t'as vu ma spire ce qu'elle te fait? T'as vu ton con ce qu'elle me fait? Ce qu'il me fait gros, normalement t'es censé me faire tellement de dégâts magiques. J'ai pas de résistance donc normalement t'es censé me faire mal quoi. Mais pourquoi il en fait pas? Parce qu'il c'est mal stuff. Mais parce qu'il s'est mal stuff. Il est parti sur un stuff plus tank qu'autre chose, il y a même pas d'AP. Le mec il a dû se rendre compte qu'il était tellement au fond dans sa game qu'il avait pas le choix quoi. Je sais pas. Et bah Vayne, faut dire qu'il a eu un début de game assez compliqué. Vayne ça te dit pas de... Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle fait Vayne. Vayne non mais gros Vayne c'est une vraie. Depuis le début de la game. Wouhou. Je t'ai sauvé Vayne. Par contre t'as bouffé les culs. Putain le Shogat les gars. Voilà qui on peut quoi. Wow. Wouah. Draven il a... Il a foutu quoi? Bah Draven il est fil. Ouais, regarde gros. En combien il était, regarde en combien il était avant le teamfight. T'enlèves 3 kills. Voilà. Il était en 7-2. Voilà un Draven 7-2, c'est mort. Bon. Voilà, bisous. Ils font chier quoi mon gars. On partait bien et là... Mais là à mon avis c'était même... Draven il va faire des dégâts de ouf maintenant. Hein. Mais comment ça se fait qu'on a une botlane qui a autant feed? À quel moment quoi? Putain, il... Bah ils ont fait. Mais gros, regarde la Vayne. Attends. Ta Vayne et ton bro. Elle fait du 1-4-3-1. Putain. Ouais, en fait, non, mais c'est pas. Ça explique pas le beat de. Non, mais gros, on est... il me semble qu'ils nous ont demandé la pre-made. Je sais pas. Si, si. Ils m'ont demandé la pre-made et je leur ai dit, ouais, pas de problème, moi je vais au top. Gros, ils m'ont demandé la pre-made. Mais attends, mais hier soir. Mais je leur pisse au cul! Hier soir, ma dernière game, enfin cette nuit, enfin hier soir, vers 5h du matin, on était avec Yotep. Les mecs nous demandent la pré-made. Moi je vais Lulu top, je fais du 3-1 en face de lane. Non mais regarde, la Vayne elle est encore là-haut. Lui il va en jungle, il gère. Gros, on a perdu à cause de la pré-made. Au bot, gros, il faisait n'importe quoi. Putain, mais pourquoi on se sépare les gars? Ah bon, d'accord. Maintenant on boost. De toute façon, votre Vayne elle sert à rien dans le teamfight, hein, concrètement, elle fait pas de dégâts. Hein. Je connais ma voix. Ouais, mais elle sert à rien nulle part, bro. C'est pas faux. Elle push pas de lane, elle fait rien. Et Karim, par contre, ça va te retomber sur la gueule, mon gros. Je désolé de te dire ça, mec, mais. Ah, mais Karim, depuis tout à l'heure, il essaye d'aller. Ouais, mais. Ça va y retomber dessus, quoi. Non, mais Karim, il arrive. Là, vous pouvez forcer, hein. Nice. Bon, mais Karim s'est un peu fait imploser. Le problème c'est qu'ils se font imploser. Wouah. Vayne. Cours. Mais Vayne elle vient juste pour mourir en fait. Bon. On en sort ça, on est 4 vivants, c'est pas trop mal. Vous avez fait du 1 pour 1 quoi, c'est pas... Ouais, c'est pas... En claquant tout ce qui était possible de claquer quoi. Ouais, non mais gros, on a pas... Le problème c'est que dans le 1 pour 1, bah... Le truc c'est que nous on est 4, ils sont 5. Donc on en a une qui est inutile dans le lot quoi. C'est bête, mais bon.
On va faire avec, quoi. Bah, faudrait l'aider à speed, quoi. Faudrait mettre les dégâts, puis lui laisser mettre les autos, quoi. Ouais, mais est-ce qu'elle est moins foutue de mettre des autos? J'en doute. Bah, ou des... Ouais, mais c'est spell, quoi. Elle fait quand même du dégât, la veille. Ouais, bah, je suis pas sûr, moi. Je suis pas totalement sûr. Ils en ont peur. Ils se sont pas stuff exprès contre la veille, en fait, au début. Parce que ça fait le taf, une veille en game. Non, mais bon, moi, je suis aussi AD. Donc, s'ils stuff pas contre l'AD, ils prennent du dégât à cause de moi. Mais c'est vrai qu'après, ils prennent du dégât que sur mes spires, quoi. Vraiment. Et sur mes... Oh, allez. On aura le support, rien à foutre, c'est toujours ça. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. C'est pas grave, c'est bien. Et ben on va avoir Shogat, viens Shog. Viens, regarde, j'arrive. Coucou. Je suis déçu. Il met trop de temps hein, ton ulti, ouais, putain, bah ouais, faut bien le prévoir. Temps, ouais. Mais je pensais qu'ils allaient réussir à lui claquer un stun dans l'histoire avant, juste comme ça. Je suis un petit peu déçu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Il y a rien. Il y a juste l'autre con de Vayne. C'est tout, voilà. Putain, il est même pas foutu de mettre une ward. Bah non. Ouh, elle a posé une auto-attaque. Raté. Spear dans ta gueule. Allez. Ah, chaud, il est bien tanky quand même. Hein. Ouais, bah au bout d'un moment, c'est aussi son passif, c'est son ulti, faut qu'il le soit. Je sais même pas à combien de farm il doit. Je sais pas, c'est avec tout. Désolé, non, je veux pas, laissez-moi. Ouais. Je fais pas un misclick parce que deux. Je pense que là ils vont taper. Même pas, je crois qu'il sait même pas à combien de farm il. Parce que là il est tout petit gros, même pas, il a même pas son premier ulti claqué. Toi t'es trop con. Attention mec, t'es tout seul. Voilà. Mais les gars, faut pas me laisser à ce point-là tout seul, on est quand même là. Bah ouais, pourquoi pas, pourquoi vous y êtes pas allé? Non mais pourquoi vous y êtes pas allé, les gars? Il avait claqué son ulti, il avait claqué son flash, le Renek, on en avait plus rien à battre. Bah tu mets when you fight, enfin... Ils sont vraiment nuls, hein. Attends, on est... Plus d'aise. Non, allez. Ouais, no fight. Pourquoi vous avez pas fighté, quoi, les gars? Faut engager un moment, faut y aller. Pas mourir, hein. Faut avoir les balls, quoi. Parce que si on n'a pas les balls, bah voilà. Enfin bref, moi je dis ça, je dis rien. Oui, bah je vais le défendre, mon top. T'énerve pas, tiens. J'y vais. Il me faut du farm. Vu que tu le prends comme ça. Bah, le temps que t'arrives, il y aura plus de farm. Vu que tu te vexes, et bah je vais aller push top. Après, tu peux speed push, hein. Ouais, c'est ce que je vais faire, ça, regarde. C'est parti. Ta-ta-ta-ta-ta. Spartiate. Par contre, enfin, ils ont quand même réussi au final le teamfight. Hein. Oh, bah oui, bah rien, oui. D'accord. Ward, Drake. Ah bah j'ai deux wards, bon bah je vais y aller. Parce que là ils sont sur le Drake et ils vont me retomber sur le... Ah non, ils sont même pas sur le Nash, je pensais qu'ils allaient être dessus et qu'ils allaient me retomber dessus en fait. Je voyais bien un petit truc comme ça. Non les gars, vous voulez pas ward le Drake? Ward, Drake, please. Sur le champ. Je suis gentil, je dis, mais s'il vous plaît. T'as ton ult, ouais? Ouais, j'ai mon ult, j'ai mon TP d'acquis. Mais tu sais, il fuit le fight en fait. Coucou Renek! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Ouais, ah bah, ouais, mais voilà. Ok, t'es une pute. Tu te la joues avec ton copain. Ah, tu te la joues avec ton copain Draven aussi. Salope! Tu cours vite, Draven. Tu cours très vite. Mais moi aussi, je peux courir vite. Bon bah, du coup, vu que c'est ça. Je vais décaler vers mes copains. Genre. Ah, c'est bon. Bon, bah alors. Je vais juste décaler à pied, pas avec l'ulti. Ouais, j'allais dire, claque pas ton ulti comme ça pour même une personne. Draven! Oh, Draven, coucou! Non, mais par contre, non! Si! Oh, il a claqué le flash. Ah! Renek, il doit piquer le cul maintenant, par contre.
Ouh, oui, oui. Plus rien, c'est mauvais, c'est pas bon quand on n'a pas de vision comme ça. En avant. C'est pas bon, on se plie. Il s'est fait défoncer Nocturne dans tout ça? Ah oui, il s'est fait défoncer par le... Non, par Vladimir, il s'est fait défoncer par Nocturne. J'y arrive. Coucou toi! Coucou! Tu veux jouer? Ah non, moi je veux pas jouer. Moi je te laisse tranquille. Coucou Draven! Draven! Non mais. Coucou mon coco! Ouais, mais fais gaffe! Non, Léona, je vais pas aller la taquiner! Non mais même Draven, mec, tu vois les dégâts qu'il va te mettre, ça va être facile. Mais non. Il est. Ok, on va voir. Ça va bien se passer. Ouais, ouais. Il y a un moment, on va quand même falloir aller dedans. Hein. Ouais. Putain, mais Vayne a une hit kill, mais arrête d'être nul. Ouah, il m'a enlevé. Bah oui, 500 P. Ça y est, bisous. Bisous poulet là. Que... Ouah, la game est faite. Bon, bah là, ouais, vu ce que vient de me balancer le Draven dans la gueule. Bah oui, mais Draven, nice feed de botlane. Et si je te dis Focus Draven, mec, je peux. Alors, déjà, gros, ils étaient tous en paquet, tu vois. Même se poser une spire dedans, sur Draven particulièrement, c'est compliqué, quoi. Oui, bah, je sais, t'inquiète pas. J'ai déjà fait deux ou trois fois dans la game d'aller directement devant, mais bon, c'était des misclics. Faut comprendre, les gars. Mais c'est... Je suis qu'un homme. Je suis qu'un simple homme. Un simple humain. C'est que vous me prenez pour un dieu, mais bon. Renekto nanana. Non, non, non. Ah. Fais attention. De toute façon, ils ont groupe, hein. Là, ils vont faire les rotates et c'est fini. Hein. Laissez-moi tranquille. Ils vont faire les rotations de tourelle. Puis regardez. Hein. Mais chopez-le, il est tout seul. On le chope maintenant, là. Tout de suite. Les gars, si on le chope, c'est fini. Voilà, voilà, voilà. Ils ont plus de dégâts. Ouah, ouah. Ils en ont encore un petit peu, quand même. Bon bah Nocturne, j'ai l'impression que Nocturne il est là quand même. 4-5. Putain. Gros, Léona fait du 6-3. Bon, et à côté de ça. Shogat fait du 1-12 à côté de ça. Hein. Non mais gros, non mais alors ça. Putain, non mais. Shogat 1-12. Tu vois, il a son séculaire qui est que à 4 stacks. Donc il a Shogat, de toute façon il est foutu depuis un moment. Hein. Non mais Vayne elle est vraiment mauvaise. Elle me rappelle la game que j'ai fait avec Tristana hier où j'ai fit comme Vayne, un gros porc. Elle est à chier mon gars. Sauf que moi je suis bon 6. Même moi je suis meilleur. Même moi je suis meilleur qu'elle en ADC, je suis sûr. Bon bah voilà. GG, Wolf Lane. Forfeed. Draven. In. Je suis pas souvent méchant à dire des choses comme ça, mais là, voilà quoi, les gars! Si, tu l'as fait dans l'early, si. Non, bah non! Bah oui, gros! We not feed him. Bah alors, qui l'a feed? Bah c'est moi, excuse! Ah bah c'est vrai, j'avais oublié, je joue en bot lane, Panthéon ADC. À coup de spire, tu vois. Parce que t'as beaucoup. Putain de connard! Aïe go! Quoi? De toute façon, vous êtes des brels. C'est les deux, vous êtes deux brels, les gars. Ils sont en train de faire de la chose. Vous voyez, ils vont venir, ils vont push et puis ils vont faire. C'est la fin de la game là. C'est là. Hop là! Pourquoi tu n'as pas de FF? Anus en chou-fleur. Non, moi je vais les farmer. Tu laisses mon farm, Vayne. Casse-toi, t'es inutile. Rentre chez toi. Va jouer à Pokémon. Va jouer à Action Man. Va faire ce que tu veux, meuf. Tu vas te faire report, mec. Va faire des Lego. Tu vas te faire report. C'est les Lego tulle. Hop là. Tu vois, tu les empiles, tu les emboîtes. Vole-lui ça. Comme ta mère, tu l'emboîtes. Mais calme-toi, là, on est en vidéo, bâtard. On n'est pas des gros rageux de troll. Non, je suis juste rageux, pas troll. Ça dépend. Ah. Non mais là, allez, mais bon, gars... on strap, on va se faire péter. Hop là, ils savent qu'on est là. Oh, c'est l'occasion. Webé, il y va. Allez, c'est fini, bisous. GG. Pourquoi je suis pas mort, moi, dans tout ça? Ah, mais j'ai mon ange gardien. Et je m'en vais. Non, tu t'en vas pas, non. Mais vas-y, vote oui.
Bon, bien les amis, on va quand même vous la garder parce qu'au mine de rien. C'est marrant, j'ai fait un bon score. Voilà, t'as fait une bonne game au début. Dommage de tomber avec des bronzes. Je vais aller voir les dégâts du Draven quand même. Va voir les dégâts de ta veine surtout. Ah non, mais regarde ma veine. Et puis non, à ce compte-là, dans mon équipe, j'ai regardé mes dégâts. Alors donc, j'ai fait du 9-7, c'est pas si mal. Bon, ma veine. 1-7-8. 1-7-8. 18. Non, mais qu'elle dise pas de la merde. Draven 18-4, quoi. Bon, j'ai honoré Vlad, tiens, parce que c'est le seul que j'ai. Allez, hop, travail d'équipe, Vlad. Faire alors, graph. Dégâts infligés aux champions. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal. 55 000. C'est-à-dire que Vayne, quand je vous ai dit, j'ai fait une game de merde hier. Je fais une game pitoyable. J'étais quand même aux 15 000 de dégâts. Non mais gros, moi... Pas 15 000, c'est vraiment sale. Elle est à 12 000, je suis à 28 000 de dégâts. Quoi. Dégâts subis. First... Quel attendant. Quoi? Ouais, mais... Ah, mais c'est une espagnole. Mais c'est pour ça que vous avez perdu, les gars. Non mais merci, quoi. Retourne manger des tapas. Ah là là, je te jure. Non, mais ouais, c'était quand même une game bien sympa. Ouais. Non, mais c'est une game bien sympa. Bref, j'espère que les classements se passeront mieux. Ouais. Sinon, ça va être la merde. Sinon, ça va être une saison de merde. On va avoir des meilleurs mates en classement. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire aussi en dessous de la vidéo, du coup, si vous voulez qu'on fasse des petits points de temps en temps sur la scène pro qui reprend là, du coup, le 14. Ouais. Sur la saison 6. Voilà, on vous fait des gros bisous et à la prochaine. Ciao.